Bon bah, on a compris un peu la strat à prendre quoi. C'est qu'en gros on doit backer à chaque fois que ça devient trop difficile. Ok, bande de naze. Bon. Bon d'accord, j'ai pas le droit de dire ça en tout easy, mais bon. Ok. Et sauvegarde automatique. Je récupère une pipa crack. Je récupère un bullet time. On trace, on se barre. Heureusement que le pathfinding est foireux. Oh non. Ok, là ça devient vraiment creepy, hein. Par contre, ces crétins sont terrifiés. Hashtag creepy. Bon. Allez, bouffe. Bouffe, bouffe. On prend direct. Hein.
Oh putain. Ok, il a pas de... Je sais pas où s'est barré l'autre Naboo. Écoutez, je pense qu'on va rusher, qu'on va se barrer. Allez, on se tire, on se tire. Hop, voilà. Temps en temps, rusher, surtout sur la fin d'un jeu, c'est pas... Alors je disais qu'on a raté un truc, enfin, encore, et encore, il n'y a plus rien dans le jeu. En fait, il n'y a même plus d'easter egg. Les easter eggs, c'est juste des pipa-crac à récupérer. Franchement, c'est nettement moins fun sur la fin. Je suis l'apocalypse encore. Bon. Je rush. Rush et de mémoire. Putain. Ok, c'est bon. C'est pas ici, non, c'est pas ici. Oh, c'est où? Faut juste que je retrouve. Mais en gros, on doit poser la bombe quelque part. Je crois qu'il faut retourner à Bullshit.
C'est ça, pour tourner à bullshit. Alors. Paradise Military, non, c'est pas là. On va juste charcuter 2-3 personnes armées pour récupérer leurs armes. Mais ce qu'il faut, c'est que je retrouve l'endroit. Ok, ici ça a l'air relativement calme. Donc c'est bon. Ok, donc là on a une zone de calme, on doit avoir des zones de calme un peu partout. Bon, ça c'est l'hôpital. Il est fermé. Là, c'est ce qu'il faut. Bordel, c'est où bullshit machin là? C'est là. De moi, il me semble que c'est là qu'il faut déposer la bombe. Ouais, c'est ça. C'est cela, c'est cela. Con. Je prends mon temps, hein. Rien ça. Allez. Bon, par là, il n'y a rien. Allez. On monte. Fusil à pompe à la main. Et non, mais... Chier les mecs.
Bon. J'ai la faux déjà, ça c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oula, ici ça a été sanglant donc. Bon, ça va, les zombies ça se nettoie assez facilement. Hein. Je rush, hein, je rush comme un porc, à vrai dire. Là, on a les combles. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même un jeu assez couloir. Hein. On va d'un endroit à un autre. Comment, il y a vraiment que le... Qu'au départ du jeu, que c'est assez open world, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mais après, on se rend compte que quand on enchaîne l'émission, après, c'est vraiment du mode couloir, quoi. Surtout samedi et dimanche, en fait, on n'y a pas vraiment moyen de se balader et de foutre le boxon. Les mecs. Putain, obligé. Je t'explique avec. Là c'était juste l'arrivée des... Quoi? Ouais, comment ça? Putain, la pipe à craque. Bon. Ah d'accord, c'est juste un char. J'ai cru qu'on m'avait tiré dessus au missile. Mais non. Ah d'accord. Y a un connard qui tire au missile. Bon, je me tire. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Par là, y a rien. Allez. Ah oui, je suis con, c'est la sécurité de... Ok, c'est là. Money, money, money. Bon. Et voilà. Normalement, là, c'est la fin du jeu.
Ok, donc on a posé la bombe, on l'a initialisée. Maintenant, il faut qu'on se tire. Que connard. N'importe quoi. Bon. Donc ça c'était juste encore un taré de plus. Bon, donc ça progresse, ça progresse. On est quasiment à la fin. Moi, je me souvenais plus de ce passage après le posage de la bombe. Ok, j'ai pas vu la porte. J'espère qu'on va pas se retaper un bad trip entre deux. D'accord, ils ont investi l'hôpital. Ah d'accord, ok, c'est une litière, je pensais qu'il y avait un truc à récupérer. J'ai les pieds dans la litière, moi, n'importe quoi. Bon. Alors il y a une chance pour que ce soit par là, mais avant tout je vais voir ce qu'il y a par là. Par là c'est de où je viens, d'accord, ok. Ok, donc je suis bien monté sur le toit pour par la suite. C'est quoi ça? C'est des chats, ok. Bon.
definitely. That's the stuff. I feel. I definitely need more of that. Bon. Et puis Bakra, je préfère m'en servir en cas de dernier recours parce qu'on devient dépendant, quoi. C'est le problème. Mais quelque part, c'est assez réaliste. Enfin, assez réaliste. Dans la mesure du jeu vidéo, parce que... C'est pas parce que vous êtes accro au crack que... vous êtes plus résistant. Ton arme a disparu pendant la cinématique, mec. Champ. Ça c'est notre chien nous ça. Good dog. Let's get the fuck out of here. Dommage que la machette n'apparaisse pas dans la cinématique. Hey champ. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me tirer dessus. Qu'est-ce qu'il me semblait? Vas-y champ. Tranquille. Ok. Bon tant pis hein, je me fais tout le monde. Au fusil à pompe. Ok, c'était la vue pas craque qui terminait de faire son effet. Je suis qu'à 50% de vie, c'est chiant. Je vois qu'il y a une échelle ici, je l'avais jamais vue avant. Enfin, je l'ai jamais vue dans les parties précédentes, de mémoire ça me dit rien. Donc certainement... Ah non, si, si, ça c'est du jeu, c'est juste que ça ne me revenait pas. Bon toi je sais pas où est ta tête toi. Alors toi t'es trop con. Putain mais c'est pas possible. Pas possible d'être aussi con. Bon. Espace. Excusez-moi, je me replaçais en même temps. Ok, donc on va se retaper tout ça. Bon, ben, c'est parti. Hein. Donc on doit faire une partie
Tant pis, je prends une petite patate. This can't be good for me, but I feel great. Limite, ils sont... Ils sont même limite flippants, les zombies. Il a eu le temps de me mettre une mandale quoi. Bon. Je sais qu'il y a, un soldat en haut. Ah, je suis con moi, j'ai une idée. Là, tout ce que j'ai à faire. C'est ça. Ouais, alors là ça va être un peu compliqué. Hein? Oh non! Ok. Je pensais avoir plus de balles que ça. J'avais pas fait attention. Excusez-moi, F5, voilà. Ok. Non mais ça va pas la tête. Bon. My grandmother could beat the game if she saved his mother. Bah, ok, à mon avis, il y a quelque chose en roule. Bon, bah on va terminer ce jeu tranquillement. Je sais pas encore combien, quelle est la distance de... Ça devient critique, j'ai plus que 2 balles. Je suis pratiquement au bout. Allez. MDJ, tu décourages pas. On en voit le bout, on en voit le bout. Con. Ah, cette perte de vie inutile. Là. On va venger ça. Là. Quoi? Ah, bon, ouais, j'ai pas vu ce que... Ce qui m'était tombé dessus. À mon avis, c'est l'avion qui a lâché une bombe. Il faut se méfier. Là, je viens de perdre encore une balle inutilement. Heureusement que se sont entretués. On va passer par là. On va redescendre de l'autre côté et continuer. Je voulais la pousser, ça n'a pas marché. Ah d'accord, ok, en fait faut se mettre comme ça.
Je voulais essayer et ça marche. En fait, faut se retourner et voilà quoi. Et reculer en permanence quoi. Ok, il y en avait un deuxième. J'ai eu de la chance. Oh putain, mais c'est pas possible. Les mecs qui tirent à bout portant, on lance roquette quoi. On lance roquette. Oh bon, eh, je sauvegarde après avoir passé le pont, moi, parce que là c'est pas possible. Bon. Allez, allez, allez. On descend, on descend, on descend. Ok. Et à la fin, il reste plus que les soldats. Je l'avais pas vu ça. Ok, on sait jamais. Je sauvegarde ici. Et là, c'est fini. Genre. Oh putain de Sarah, je l'avais oublié lui. C'est le boss final du jeu. Je me souviens plus comment on l'achève. Je me souviens absolument plus comment on fait.